On demande une meuf, on convoque une meuf, maintenant là, pas maquillée, de nous appeler. Ou une meuf avec des contours, je sais pas. Ok, c'est bon. Océane, elle a fait une demande. Ouais, là, je te reprends. Vas-y, 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 pas de soucis. Océane, on va en parler maintenant. Ah, elle... attends, pause. Océane, laisse ton pause, s'il te plaît. Elle est là, la chanteuse. Nineens, je l'ajoute de suite. Va nous faire une petite pause dans le débat, tu vois. Un petit truc fraîcheur. Mais ça marche pas, elle répond pas. Why not, s'il te plaît, dis-lui qu'elle revienne, s'il te plaît, Nineens. J'essaie de l'appeler, j'essaie de l'ajouter. Là, on a un bête de débat. Salut les gars! Aïe! Salut! Yo! Yo! Ça va bien? Ça va et toi? Le Et confinement, vous? ça se passe? Ça se passe. On fait que ça se passe bien. Attends, pause. Qui est qui là? Là, c'est ma mère. Je croyais. Pardon, je croyais que c'était ta pote. C'est ma pote, on est potes quand même, c'est pas Ok, possible. ok, ok, d'accord. Ça va? C'est ma pinko. Elle est là, la maman. Je vis avec des ados, hein, donc. C'est sa maman. Possible. Non. Non, mais pour de vrai ou Il y a pas? un filtre là. Comment? Il y a un filtre. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Il y a un filtre, hein? Non, il y a un filtre. C'est ma mère, c'est ma mère. Donne ta mère la force. Maman! Non, Non, lourd, vraiment. lourd, lourd. Ouais. Donc, Naïm, on te découvre là. Là, on te. Nous, on est de Marseille. Voilà, donc enchanté. Enchantée. De Andiman. Max. Pascal. Pascal. Pascal, enchantée. Nous, c'est Voilà. Neyli et Nitsu. Et Nitsu. Neyli, voilà. Enchanté. Et on c'est m'appelle. un groupe ou. Non, pas du tout. Non. On est chacun pour soi, mais on est ensemble en Chacun même pour soi. temps. Eh On fait un duo bien. Murphy aussi. On fait un petit duo Murphy, mais on est chacun pour soi. Elle a sa carrière, moi j'ai la Oh, mienne. elle t'a lâché direct. Elle a dit, on est chacun pour soi. Direct, elle s'est mariée. Aucun, Elle t'inquiète, t'inquiète, on t'a reste mis sur le côté au calme. Elle a dit, c'est moi qui prends le buzz ce soir. C'est quoi les origines? C'est quoi les origines? Ça vient des îles, ça, au moins, non? Comment? C'est quoi les origines? Malgache. Si, ça vient des îles. Je voyais. Je sentais que. Il y avait trop de soleil là. Faut-il mettre des couteaux? On Ça chante vit. ou on se regarde? Non. On chante? Qui va chanter? Qui va chanter déjà? Nous deux, on fait ensemble. Chacun son truc. Moi, je vais chanter aussi, moi. Chanter aussi? Oui, toute seule. Mais fais un duo d'abord. On fait un duo, on fait un On fait duo. un duo. Allez, c'est bon. Après. On vous écoute. C'est parti. On fait un duo. On fait C'est quoi? quoi? Attends, C'est je comprends. something, c'est Quoi? bien. C'est something. Ok. Et pour ceux qui sont là, LCP, like, commente et partage. Partagez et donne ta mère la force. Attends. Tu peux m'écrire un commentaire comme ça, je t'épingle. Ok. C'est le Nadine's là. Attends, je mets Nadine. Je mets ici là. Hop. Chacun son travail. Ouh, travail d'équipe. Mets la musique, maman. Nadine's. Attends, Là-bas là. Ne m'appelle pas maman, s'il te plaît. Ok. Elitsu. Oui, Ma mère. tu peux écrire un commentaire comme ça, je t'épingle. Je suis en train de le faire là. Je... Partez pas, hein. Partez pas. Elle dit des conneries, là, Nadine's. MDR. J'ai 15 000. Voilà, ça y est. C'est qui chante en premier? Yes. Est-ce que le son est bon? Ok, je commence. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I. Over my head.
C'est pas la trap ou la même chose? Alors, c'était il y a très longtemps, c'était il y a 6 ans. Ouais. Issa, on était à Paris, on était en voiture avec ma maman, et puis tu nous as regardé. T'étais sur ton scooter. T'as fait, mais c'est quoi ces lunettes? Et ouais, tu as dit, c'est quoi ces lunettes? Et moi, je t'ai dit à ce moment-là, je suis une chanteuse, artiste chanteuse. Et voilà, t'étais sur toi. Et on était sur un feu, toi, t'étais juste à l'autre gauche. Ouais, c'est vrai. T'avais les mêmes lunettes? Ouais, les mêmes. Ce sont mes lunettes de vue, hein, c'est pas pour styler, les gars. Hein. Ok, c'est original, c'est pas. Là, je te vois pas, là, je te vois. Non, mais lourd, merci en tout cas, beaucoup, vraiment beau. C'était énorme, énorme. Très, très beau. Ah, merci. Enregistre le live, s'il te plaît, comme ça, je peux la mettre sur Je vais l'enregistrer, c'est bon. Ok. Et merci beaucoup, hein, merci pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donne ta mère la force. Tais-toi. Est-ce qu'on peut faire un truc? On prend un rendez-vous. Chaque semaine, on se fait un live ensemble. Ouais, okay, nous, pour commencer, on fait un premier rendez-vous comme ça. Et deuxième rendez-vous, si on peut faire carrément même un son ensemble, ce serait énorme. Ça serait énorme. Merci. Franchement, parce que là, j'en ai pris plein la vue, plein les oreilles. Franchement, ça tue. Merci beaucoup. Donne ta mère la force, why not? T'as vu? Non. C'est à l'arima. En fait, il y a Alrima qui faisait un live au tout début du confinement. Et ouais. Son slogan. Et nous, on était morts de rire avec mon frère, du coup. Et donc, il arrêtait ses lives. Et voilà. Si vous voulez écouter du lourd, il y a mon frère Nirinsu qui est là juste avant DJ Wine. Ah, c'est de famille, quoi. C'est ouais, famille. On est une famille d'artistes, quoi. Issa Doumbé, il a dit quoi? Sa mère, elle m'a dragué. Il m'a dragué. Ah oui, elle m'a draguée. Mais oui, écoutez, oh, elle a dit, mets l'autre côté, le daron. Mets l'autre côté. Ah non, j'ai pas dit ça, wesh. Bon, c'est pas grave, il a pas vu. J'ai raté la hosta. Il dit, tu rates. On fait un deuxième. Un deuxième? Vous avez un deuxième en stock ou pas? Oui, non, mais nous, on n'a pas en stock. On est là pour s'amuser. Hein. Allez, ben nous, on est là pour ça. Vas-y, hop, on voit la sauce. Il s'adonne bien, vas-y. Il est nul, on dit, il va pas vous produire, il a 45 personnes. Mais c'est pas le nombre qui compte. 45 merci. Personnes. C'est Issa. C'est Issa. Issa. C'est pourriture. Nous aussi, hein.
Et viens nous follow Issa, hein, au lieu de dire ça, justement. Issa, viens nous follow. Like. On devrait follow faire... Issa, follow, follow, allez. Issa, donne la force. Viens nous follow Issa, donne ta mère la force. Donne ta mère la force, ton talent, s'il te plaît. Ben oui, qui ne demande pas un aria, donne ta mère la force, follow us. Bon. Est-ce que vous avez un son en français? Ouais. On a un son français. On va faire du take. Vas-y. Tu prends ma guitare. Vas-y. J'ai oublié les notes. Oh, c'est ça sera la guitare. Non, ouais. C'est bon. C'est quoi les paroles? Attends, on met les paroles, hein. Tout ça, c'est pas prévu, les gars. Prépare-toi comme tu veux. Sinon, je vais avoir. Ok, bah tant pis, je produis pas. Je vous laisse avec un Non, tu nous produis. Mais qu'est-ce qui produit, ça, s'il te plaît? Qu'est-ce qui produit, s'il te plaît? Je prouve. Ça, va faire CPE dans tes séries. CPE? Mais c'est aussi un métier de l'art, hein, ça reste de l'art. C'est un métier, c'est un métier. Je vous avais prévenu, DJ Why Not. Tu sais que DJ Why Not, j'ai toujours notre vidéo quand on était à Bordeaux où tu nous as viré. T'envoies les dossiers. Concert. C'est pas lui? Non. Ah, mais pardon, apparemment, c'est pas toi qui nous as viré. DJ Why Not, c'est le DJ de Franglish. Ah oui! Là, tu parles de. C'est parti pour un live de César. À part de Badji. Excuse-moi, DJ. Pardon, monsieur. Issa, commence pas, s'il te plaît. Issa, au lieu. Après, tu viens. Issa... Ouais, il parle, mais il est trop par derrière le cavier. On dirait un mec de Twitter, Issa. Issa, on dirait un hater de Twitter. Et tu nous fais une petite chanson. Voilà. Prépare ta voix. On cherche la note. Oh, oh, c'est pas ça. Oh. Ah non, c'est grave, moi je m'attire, j'ai pas de problème. Empêche, heureusement, il fait que pas là. De celle que je choisis, à celle qui me fascine. Oh, après l'autre, tu passes ton temps à me terminer. Je t'ai donné ma vie. C'est énorme. C'est parce qu'il m'a pris. Du coup, à peine que tu passes. C'est trop bas pour tout. Monte un peu. Attends, il va monter un peu parce que c'est trop bas. Trop bas? Pour moi, oui. Hey, t'as déjà dit ça? Non, mais c'était doux, hein. En tout cas, franchement, c'était très doux, hein. C'est pas la même chose. Vas-y, hop. Ah, c'est mieux, là. C'est celle que je choisis. Celle qui me fascine, qui court après nous, toi tu passes ton temps à me terminer. Je t'ai donné toute ma vie, je sais pas ce qui m'a pris. Qui court après nous, toi tu passes ton temps à me terminer. Mettez des flammes. Moi je fais du mal, toi tu n'en as jamais fait autant. Moi, chaque jour, je prouve, je ne dors plus la nuit. J'ai l'impression de parler dans le vent. Je cherche ton amour, oui, l'amour, oui, l'amour. Et tu voulais qu'on parle en la paix, mais tu t'aperçois toi-même que ta bouche est vide. Tu fais des grands gestes, mais tes arguments sont pourris. Tu fais l'amour si bien. Ça c'est vrai, mais à quoi bon d'être fidèle si toi tu te rire? Tu ne dormais serein aucune faute, moi je l'ai commis. Toi tous tes fautes tu les as commises, tes fautes tu le sommes à tous mes amis. Voilà, je me suis fait du mal, toi tu n'en as jamais fait autant. Et chaque jour je prouve, je n'adore plus la nuit. Elle le place toujours, quoi. Ça, j'avais joué du piano sur les... Yeah. Ah, merci. En tout cas, bravo. Franchement, c'est vraiment beau, ce qu'on veut. C'est beau. Merci beaucoup. Merci. Non, c'est énorme. C'est énorme. Merci beaucoup, hein. Yaeline.
Mais c'est quoi l'histoire? Ça vient d'où? Vous venez d'où? Ah, c'est elle qui m'a obligé à chanter. Ah oui. Au fait, d'accord. Moi, j'ai toujours aimé chanter. Moi, on vient de Madagascar, comme on l'a dit, tu vois. Okay. Et au bled, chanter, c'est pas un métier, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours chanté un peu par-ci, par-là. J'ai toujours voulu être chanteuse, en vrai. Et les parents et tout, ils s'en fichent. Hein. La vie est dure, tu vois. Donc, personne ne t'encourageait. Et moi, j'ai dit, ah oui. Et l'histoire, c'est que quand j'étais en classe de 3e, il y avait deux mecs qui chantaient. Il y a un mec qui s'appelle Nassan, déjà, et tout, deux mecs plutôt. Et tout, à chaque récréation, il chantait en duo, tu vois, les trucs américains, les Asiètes, les Boys to Men. C'était magnifique. Et moi, j'étais là en train, je chantais déjà. Mais... Ça t'a inspiré, quoi. Et après, j'ai dit, mais oh, quand j'aurai un enfant, je vais l'appeler Nassan, déjà. Parce que le Nassan, déjà, le mec, en tout cas, qui chantait bien, il était super beau. Il chantait super bien et il était le deuxième de la classe. Au bled, tu sais, il y a les premiers, deuxième, troisième. Ils mettent les bulletins à la fin. Et donc, ça c'est comme si j'ai fait une prière, en fait. Et dès que j'ai eu mon enfant, je l'ai appelé Nassan. Elle s'appelle Nailiz, mais voilà. C'est mon deuxième prénom. Et en grandissant, et moi, j'ai animé des mariages. J'arrivais en France à 18 ans. En fait, je l'ai eu à 18 ans et demi. C'est pour cela que ça a l'air. Et du coup, bah, j'ai commencé à chanter dans des mariages, des anniversaires pour me faire de l'oseille. Et comme son papa travaille dans les bus et les trams, l'emploi du temps, il change d'emploi du temps tout le temps. Des fois, il commence à 2h du matin. Du coup, je l'emmenais dans mes soirées. Et elle, j'ai vu qu'elle chantait juste, mais elle aimait plus danser. Donc, elle a fait du... Elle regarde des Michael Jackson et elle le copiait. Elle était très forte, tu vois. Là, je ne sais pas si elle danse encore. Mais elle avait l'oreille quand même. Elle chantait très juste. Et c'était à l'époque du début des sections d'assaut et tout ça. Et elle écoutait ça. Elle saignait ça à fond, tu vois. Et on a commencé à faire des... Et je l'ai obligée à dire, mais vas-y, chante. Et c'est comme ça qu'elle a chanté, en fait. Et okay. Voilà, maintenant, je suis signée avec Black M. T'as vu? Ah ouais. Dis merci. Mais oui! Si je t'ai lourd, pas... c'est lourd ça! Ouais. C'est lourd de ouf! Ah oui, elle a fait de la tectonique! Ça, c'est le frérot qui taille ça? Oui, c'est mon frère ça! Mais c'est une belle histoire, hein, tu vois! Mais c'est une très belle histoire! D'où vous venez de Madagascar, de Anta? Non, je suis originaire de Fianarantsoa, moi! D'accord. Mais on a toujours vécu à Tana, ouais, en Tananarive. Ouais. Ok, j'ai été là-bas, ouais. Quand? J'ai été là-bas il y a. Je sais pas combien d'années. J'ai mixé, en fait, pour le. C'était le jour de l'indépendance du pays. Ah, Madagascar. Merci. D'accord. Dans un stade. Ah, génial. Et ça a été? T'as aimé? C'est énorme. Énorme. L'accueil était incroyable. Ah, oui, les Malgaches. Hein. Très. Parce que vous avez un président, il est jeune en plus, hein. Oui, c'est un graduel, ouais. C'est un ancien DJ. C'est ça, ouais. Il aime la fête, on l'a vu, il nous a parlé. Lui, il est chaud. Lui, il est chaud. Ça change, hein, tu vois. Non, c'était cool. Franchement, en tout cas, très belle rencontre. Merci. De même. Matt, c'est qui déjà? Pascal. Vous êtes tout à Marseille, ouais. Parce que moi, en fait, je bosse avec un mec qui est à Marseille, All In Music, vous connaissez? All In Music? Ouais. Non. Romain Ben Abdelkader, c'est avec lui que je bosse, moi. Mais moi, je fais vraiment de la chanson française, tu vois, variété française, chanson à texte, ça c'est mon truc. Moi, je fais de l'urbain. Et elle fait de l'urbain. Mais on est comme... J'ai pas envie encore, hein. Mais j'arrive. C'est un beau mix que vous avez. Mais là, vous deux, faut tout faire. Là, en fait, faut tout faire. Ouais. Vous voulez vraiment être séparés, vous deux? Vous voulez vraiment être séparés? Vous voulez jamais être ensemble? Mais c'est... Mais Black M, il ne veut pas me signer, wesh. C'est pas pareil. Ma mère, elle ne jamais, wesh, déjà. Non, en fait, j'ai 5 enfants et ils sont tous en mode wesh, donc à un moment donné... Ah, force, ça rentre, ouais, ça rentre. Quand tu traînes avec des gens qui parlent verlan, je parle aussi le verlan. C'est automatique, en fait, tu vois. Pourquoi vous n'avez pas essayé The Voice? Moi, j'ai fait The Voice Kids. Elle a fait The Voice Kids 1, hein, mais j'avais 11 ans, c'était à longtemps. C'était pas retourné. Ils se sont pas retournés. Il faut retenter. J'ai une pote, on connaît une pote qu'elle est allée plusieurs fois et à un moment il y a eu un truc. Bon, elle n'est pas allée jusqu'au bout, mais il y a eu des bails. Ouais. Une visibilité. Non, mais c'est une bonne expérience. Ouais, je sais. On a fait. Moi, j'ai été. Justement, moi, je chante parce que moi, j'ai toujours été un peu derrière elle. J'ai pas forcément un peu. Tu sais, parce que comme avec la vie de famille, tu dis ok. J'ai 5 enfants, moi, tu vois. Et. Ils m'ont piégé, mon frère Nirinsu, là, et elle, et mon mari et mes enfants, ils m'ont piégé dans une émission sur M6 qui s'appelle Audition Secrète.
Et grâce à ça, j'ai rencontré ce monsieur Ben Abdelkader avec qui je bosse aujourd'hui, tu vois. D'accord. Mais sinon... Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit, elle a sa carrière. Et elle a la sienne. Mais on est quand même en duo. Non, mais ça tue. Ça tue. Sur ma vie, ça tue. Et mon frère aussi, il chante, alors voilà. Un jour, tu sais mon rêve, c'est quoi ? Qu'on soit dans les Energy Music Awards à se battre pour le même prix. Ça, c'est tout le monde dans la même catégorie. Ça, c'est lourd, man. Et c'est beau. C'est un beau rêve. Ouais, c'est beau. Ouais. C'est faisable. Il vous bat. Ah oui, bah oui, ça. Hein. Ils nous disent qu'ils vont produire. C'est ça, il est en train de nous monter. De nous monter, là. Il ça. Follow moi, frère. Moi aussi. Issa, follow. Issa, il me termine en fait. Issa, follow maintenant. Issa, il est venu pour me terminer en fait sur les réseaux. Il y a ce dans la chanson. Terminé. Pour nous, je me suis fait. Pour nous, il s'est fait du mal et lui, il vient de te terminer. Oh, c'est lui qui me fait du mal. À peine je sais chanter, voilà. Les filles, moi, en tout cas. On va rester en contact. Je vais prendre votre. J'ai épinglé. Je vais laisser épingler votre. Vos réseaux. Ça va pas bouger. J'aurais dû mettre. Donne ta mère la force après, mais c'est pas grave. Nous, on sait. Tu l'as pas assez dit. Tu l'as pas assez dit, de toute façon. Non, mais quand tu le mets haut, parce que tu vas l'épingler, je remets. Hein. C'est même d'accord. Pas mon compte, tu vois. C'est pas grave. C'est mon compte, ça. Nous on sait. Oui, quoi, oui, merci. Oui, mais vous, c'est bon, mais c'est les autres après. Mais ils vont savoir aussi. On va leur dire. On va promotionner. Ok, vous le dites souvent, mais non. C'est bon, non, les non. Gars. Moi, en tout cas, je promotionne. Il n'y aura pas de souci. Tu verras. Ok, attends. Je mets juste la flèche et on y va. Hein, parce que Nalinsu, arrête de. On bloque le. On bloque le live des gens. Je vais essayer d'appeler Issa ou Narinsu. Ah, oui, vas-y, appelle Issa pour qu'on mette ça au clair parce que ça ne va pas du tout. Yes. Voilà, bonne soirée, les filles. Épinglé, là, j'ai mis, donne ta mère la force. C'est où ? Hop. Arrête, quoi ? C'est fait. Les lunettes le soir. Ok, merci beaucoup. Bisous. Matt et qui, j'ai oublié ? Et Pascal, maman. Andjimal et Pascal. Et n'oubliez pas quoi que vous fassiez, faites-le avec bien. Amour et soyez toujours en pole position. C'est ce qu'on fait, toujours. On le fait. Là. Mia a dit, attends, c'est la couleur de Mia. Bon, au suivant. Bon, Issa là, j'ai Issa, mais est-ce qu'il va venir? Viens nous faire un petit bisou. Est-ce qu'il va venir? On l'appelle. Ça, c'est la quatrième fois que je l'appelle. Viens nous faire un petit bisou. Au lieu de me terminer là, sur les réseaux là. Ah, yeah. Oh. Arrête de vouloir niquer la carrière des gens. Par contre, on a vu un truc. On a tu parlé. Fais des promesses. Frère. Attends, Pascal. Pascal, toi, t'es mon pote. De ton côté, il n'y a pas de. Rentre pas dans l'histoire. Ah, là, c'est. Je veux me terminer. Le canon, là. Je veux me terminer. Elle dit vas-y. Regarde, je viens d'arriver. T'avais 20 personnes pour leur live. Regarde, s'il te plaît. Juste, je viens d'arriver. C'est pas mon live. Je plus, viens d'arriver dans ton live. Tu viens tard en plus. S'il te plaît, laisse-moi parler. Je suis en train de chauffer des charbons. Je vais te cuire aujourd'hui. Tu promets des productions à des gens. Déjà, même toi, sors un album, frère. Avant de sortir des albums des gens. Mais moi, je suis pas tu produis quoi moi. Mais alors, aujourd'hui, je sors sa tête. C'est ça que tu veux leur faire chanter? Laisse-les tranquilles. Elles sont bien. La mère, elle a sa petite carrière à côté. La petite, elle est en train d'arriver. En plus, il y a Black M derrière. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Mais non, mais moi, j'ai dit... Tu vas faire quoi à la place musique... de Black M? Mais il n'y a pas de souci, frérot. Attends, j'étais pas au courant, parfois. On n'était pas au courant. Elle a appris après. Moi, je te le dis, là. Black M, elle vient de te le dire. T'as fait comme ça, quoi. Elle a dit Black M, on re-regardera le live. T'as fait ça. Convulsion. Ah, j'ai pas entendu. Moi, j'ai vu, il a fait une convulsion. Parce que lui, on va faire nos contacts. Et là, il a fait. Arrête, s'il te plaît. Laisse les gens tranquilles. Mais je savais pas, moi, qu'il y a Black M derrière. Tant mieux pour mais elle. Frère, tant mieux. Tant mieux. Toi, t'allais faire quoi? T'allais faire chanter au port, là, à Marseille, ah, c'est un devant bâtard, les bateaux.
C'est ça que tu veux. C'est pour ça que tu as décroché en fait. Tu voulais Est-ce que c'est ça que tu veux voilà, les faire chanter devant le port de Marseille? Il vaut mieux un petit quelque chose qu'un grand rien. Pascal, s'il te plaît, mon ami, ne rentre pas dans l'histoire. À un moment, il me dit, il faut lui dire des trucs. Il fait que des premières de soprano. Soprano, il l'aime bien. Il sait, il est en galère, sinon... sinon, il fait pas autre chose. Arrête de mentir maintenant. Les gens, ils vont savoir aujourd'hui. C'est comme ça, mais non. Je fais que des premières de soprano parce qu'il m'aime bien. Il dit, oui. Pourquoi d'autres? On en reparle. Et si on en reparle de quoi? Quand t'es venu chez Pablo, tu étais bien. T'as kiffé ta soirée. Mais Pablo, mais attends. Qui mixait à Pablo? Qui mixait? Attends! Pablo, ça t'appartient? Non, mais qui mixait? Merci. Qui mixait? C'est tout. Ça ne t'appartient pas. Mais qui mixait? Frère, t'enregistres des compiles sur Sound Design et tu viens les poster en boîte et tu viens faire croire aux gens tu mixes. Laisse tranquille. Non. Moi, je mixe. C'est comme ça. Au moins, prend des sound design, il les place. Laisse-moi au moins fait ça. Juste des... Il fait des trucs comme ça. Moi aussi, je peux faire ça. Des gestes au moins ça. Devant des sound design. Des compiles de DJ que tu mets play. Tout le monde peut le faire. Voilà, demain, j'enregistre des comptes. Tu crois qu'ils ils font pas ça, les gens là qui font ça, ils sont DJ. Maintenant, c'est quoi, je te mets au défi, on fait une soirée. Tu mixes, je mixe. Attends. Tu sais quoi? Attends, je veux juste te dire un truc. Sur la tête de WAM, on m'a déjà proposé des trucs pré-enregistrés et que je fasse le faux DJ. Et j'ai dit, je ne mens pas aux gens. Non, mais moi... Ça existe ou pas, Andy? Bien sûr que ça existe. Merci. Mais est-ce que moi, je le fais? Oh, frère. Les gens, ils savent ici qu'on est là pour rigoler. Arrête d'être vexé. C'est comme il est mauvais. Vraiment, il est mauvais. Parce que quand il arrive, il me dit... Tu es piqué. C'est comment il dit? Non, ça va ou quoi? Non, avant que les gens ils pensent que je t'aime pas. Hey, c'est mon frérot. Rien que je le taquine à chaque fois avec ses longs bras. Là. S'il te plaît, dis pas à la mère et sa fille que tu vas les produire. S'il te plaît. Non, mais j'ai pas dit j'allais produire. J'ai dit franchement, moi j'ai kiffé sur le moment. La musique, c'est du partage. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Si on peut échanger quelque chose. Elle dit, je t'ai posé une question. Échanger quoi? Les Instagram? Regarde son Insta, laisse-les tranquilles. Le pire du pire, écoute ça. Le pire du pire, c'est que même la mère, elle a plus de monde sur Insta que moi. C'est bon. Oh mon Dieu. Mais tu sais que quand je l'ai vu, tout à l'heure quand elle a raconté son histoire, j'ai dit, mais cette tête-là, ces lunettes, ça me parle trop. C'est un truc de ouf. Et après, elle a raconté ça. Je te jure. Hey, moi, tu sais quoi? J'ai une mémoire, frère. Je te jure, c'est inexplicable. La dernière fois, il y a une petite... elle était sur un live. C'est une humoriste. Elle est sur un live sur Insta. Et je parle avec elle et il y a quelqu'un qui vient commenter. Et je parle et tout avec elle. Et sa pote, elle dit « Ah, je suis sûr, il ne se rappelle pas de moi. Je suis déjà venu à son spectacle. » Et elle me dit un truc. Elle me dit « Genre, je l'attendais pour faire une dédicace derrière la salle. Je lui ai dit comment elle était habillée et avec qui elle était. » Et genre, il y a 4 ans, et je te jure que c'est vrai. Choquée. Bien sûr qu'elle était choquée. Elle a reposté la photo derrière, elle a dit, mais c'est vrai. Et je lui ai dit, tu étais même assise sur un trottoir. Dès que tu m'as vu, t'as fait, hein? Sa pote, j'étais avec sa pote en live, elle était morte. Et à chaque fois, je lui mettais des détails de comment ça s'est passé. Genre, elle disait, non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les gens, ils demandent si tu fais une chicha ou un barbecue. Je pense que c'est un caloute que tu fais, non? C'est un caloute. Ouais. Chicha ou barbecue. Ils sont drôles, tes gens, là. Ils sont drôles. Mais c'est... Non, mais là, c'est des gens. Hein. Moi, je te rappelle qu'il y avait des personnes dans mon live.
Attends, hey, dis-moi, il y a. C'est qui la meuf là, qui est sur les côtes de Pascal là, depuis tout à l'heure? Pascal, présente. En fait, moi, je suis là juste pour. C'est la merde, quoi. C'est toujours la merde. C'est pas la merde, non. Coralie. Non, j'ai demandé. Coralie. C'est une fille très sympa. Très sympa. Très sympa. Sympathique au demeurant. Ça ne répond pas à ma question.